Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment je fais mon spaghetti de ce Diallo un peu modernisé d'une manière là. Donc, on sera plus, on y va. Ici, pour commencer, j'ai pris un paquet de spaghettis avec la viande de rognon. Ah, pardon, j'essaie de l'attacher piment, assaisonnement de poisson là. Je vais découper. Un peu comme ça quoi, pas trop petit, sinon quand ça va cuire ça va devenir vraiment, ça va se rétrécir. Là pour nettoyer mes rognons là, je vais utiliser le citron et puis un peu de sel. Je vais frotter très bien. Et ensuite, je vais rincer. Là, pour assaisonner ma viande, mes rognons, là, je vais utiliser mon assaisonnement de viande. Pour tous ceux qui seraient intéressés, je vais laisser les informations au premier commentaire qui sera épinglé. Parce que la plupart du temps, je vois dans les commentaires là comment faire pour passer la commande. Je vais en premier commentaire, vous aurez toutes les informations. J'ai une représentante en Côte d'Ivoire, j'ai une représentante en Afrique. Et puis moi-même, pour l'Occident là, c'est moi-même qui fais tout, la France, Espagne, Royaume-Uni, Amérique, Chine, partout, commandez directement avec moi le numéro plus 44 là. Voilà. Pendant que mes rognons sont en train de cuire de côté là-bas, ici aussi dans une grande cocotte, je vais faire cuire mes pâtes. Pour gagner un temps, je vais commencer à découper oignons, tomates, piments, ail. J'aime beaucoup quand il y a l'ail dans le spaghetti là. On coupe ça grossièrement. Voilà. Ici, les rognons là sont cuits. Voilà, c'est. Les pâtes aussi sont cuites. Une pâte sont cuites, mon cher. Ok, c'est ça ce que je vais dire. Là, je vais les rincer puis les laisser dans de l'eau plate. Quand on laisse dans de l'eau plate, c'est ce qui va donner le côté humide là. Vous voyez, je dis à l'eau, quand vous mangez, c'est pas sec, c'est humide là. Voilà. C'est ça même qui est là. Là, dans une... Je vais rajouter un peu d'huile et puis un peu de concentré de tomate, du sel, du poivre. Un peu de mon assaisonnement de viande. Les fêtes sont proches. Oh. N'attendez pas jour J pour dire Raïssa. Là, j'ai rajouté un peu d'eau. Je vais laisser frire pendant 5 à 10 minutes. Raïssa, je veux assaisonner. Mais est-ce que je peux avoir ça dans 2 jours? Eh, dans 2 jours, ce serait pas possible. Ici, j'ai rajouté. Ça me fait rire. J'ai dit ça. J'ai rajouté les rognons là. Je vais rajouter oignons, tomates, piment et ail. On va laisser frire pendant 3 à 4 minutes pour garder toujours le croquant des légumes. Voilà. Ici, quand je veux, je prends ma portion que je viens rajouter à ma petite sauce là. Ma petite sauce. Ah. On va laisser tout ça là revenir pendant quelques temps. Excusez-moi, à ma souhait. Ici, je vais rajouter un peu de vinaigre pour faciliter la digestion. Voici le résultat de mon plat. Donc, si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Là, on se dira bye bye. Avec du pain. On va goûter un peu, non? 1, 2, 3, go!
Piment à la sambonda. Et puis c'est bien fort là. Mmh. Mmh.